dans les épisodes précédents. Viens, petit chou. Je sais pas, t'es dans le port. Venons-en à présent au H3. C'est l'humour que peu ou beaucoup de personnes comprennent. Mais quand il y a compréhension, il y a perfect. Perfect? Ouais, perfect. Ça veut dire... Ça veut dire que tu rigoles. D'accord. Voici quelques exemples. H4, humour très fin, voire invisible pour certains, voici quelques exemples. La direction d'esprit vous donne 50% sur toutes les théières et les télés. Thank you. Maintenant, le B4. C'est un H particulier. Il s'agit en fait d'un H4 involontaire qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Voici quelques exemples. Ils ignorent et puis ils font rien du tout quoi. Mais finalement, tu vois, le problème c'est que dans cette histoire, t'as fait du mal à pas mal de gens en fait. Et ça franchement, c'est vraiment pas cool quoi. Attends, tu contredis Mathieu, t'as fait du mal à pas mal de gens. C'est mon pote, ok? C'est mon pote, il est plus petit que toi, parce que peut-être que lui, il est plus petit, tout ça, mais moi, mec, j'ai les couilles de t'en mettre une grande, t'as vu? Je me suis battu contre des mecs plus sérieux que toi, ok? J'en suis conscient. Ok? Alors tu t'excuses et tu lui dis que tu lui diras plus. Vas-y, excuse-toi. Si tu lui demandes pourquoi tu te mets en dehors de la pièce, il est capable de te répondre non. Bref. Donc. Tu réponds à ma question ou tu t'en rappelles plus? H5, humour que toi seul peux comprendre, car il te rappelle un élément comique passé. Et ça me sert à quoi de connaître le système des H? Tout simplement à juger le degré d'humour d'un homme.
En tant qu'élu des choux, je te dois de connaître ces règles, car tu les connaîtras mieux que quiconque. Mieux que qui? H2. Il faut que je détruise ce truffe. Il faudra que tu le détruises, pas avec ta force, mais avec ton esprit et ta parole. Seul toi peux le faire, tu sauras quoi lui dire.